Comme tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma petite séance épaule. Et du coup, c'est parti. Du coup, là, je me suis échauffé et je vais commencer avec les élévations latérales. Du coup, là, je vais faire 3 séries lourdes avec 17,5 kg. Et ensuite, je vais mettre une série de plus avec moins lourd et de contrôler le maximum au niveau de la hauteur. Du coup, là, j'ai fait mes 3 séries à 17,5 kg, j'ai fait 12 répétitions à chaque fois. Je vais faire une série de plus léger, je vais prendre 12,5 kg et je vais faire 15 répétitions, mais en contrôle maximum de la montée. Là, du coup, mes élévations latérales, mes 4 séries sont terminées. Je vais passer sur un variant de celui-ci. Les mains comme ça. Et là, l'objectif, ce sera de remonter comme ça. Je vais essayer de prendre un banc pour être assis pour faire le mouvement. Et du coup, je vais chercher ça. Pour cet exercice, je vais faire 3 séries de 15 répétitions. Et comme tout à l'heure, après, je mettrai moins lourd et je ferai 20 répétitions avec 12,5 kg comme ça. Et j'essaierai de mieux contrôler le mouvement. Voilà, parti. Voilà. T'es gros, tu fais 3 ans de séance. Ou tu fais. J'avais une patente à ta mâchoire. Bah, je laisserai la conversation qu'on a eu tout à l'heure. Ouais, tu vois, t'as un peu de mal. Mais... Ah ouais, tu trouves ? Parler, faire ton exercice à 12 kilos, putain. Tout ça pour ça ? Du coup, là, j'ai fini l'exercice élévation latérale, présupination. J'ai passé à l'exercice de poulie, je vais faire le même exercice, mais en montant un peu plus haut au niveau de la poulie, ça permettra de mieux recruter l'épaule. Je vais t'exploser, vas-y, casse-toi. Pourquoi t'as choisi toi, en gros, il y avait... Ça, je comprends son choix, en fait. Je comprends vraiment son choix, t'es clair. Je sais même pas claquer, tu peux mal. Celle-ci, elle a fait mal, celle-ci. Celle-ci, elle a fait mal. Bah oui. Oui. Vas-y, je prends photo. Demain, je suis chaud. Attends. Non, attends, je vais vraiment t'aider après un photo. Je vais doucement. Là, mon gars, c'est fini pour toi. Attends, y'a ma main. Là, j'ai un dossier. Attends, remets. C'est ma grosse. T'as vraiment bien au niveau de meilleur. Encore. Du coup, là, au total, je vais faire 3 séries d'élévation. Latéral en montant plus haut mon coude et plus haut le bras. Ça vient travailler bien à l'intérieur. Du coup, là, vous allez voir comment ça fait. Du coup, je fais 3 séries comme ça et 10 répétitions, 23 kilos et je change d'exercice. À toutes! Exercice finito. Du coup, là, je vais changer d'exercice. J'ai passé à ce mouvement-là. Je vais prendre la poulie comme ça et je vais monter comme ça. Ça vient travailler la coiffe du rotateur apparemment. Et ça permet d'éviter les blessures. Du coup, le mouvement, c'est ça. Je vais faire du rep normalement des deux côtés. Et j'aviserai. Mais dis donc, Rabdel, cet exercice n'est-il pas un exercice d'échauffement? Mais non, en fait,
Oui, mais là, on le fait dans le but de se renforcer. D'accord, Abdel. Merci beaucoup. À bientôt pour plus de conseils. Cet homme est mon exemple. Hello, à quel moment t'as besoin d'un exemple dans ta vie, toi? C'est vrai, je le suis moi-même. Je suis moi-même mon propre exemple. Qui m'a envoyé le doigt de pied contre une machine chaude? Attends. C'est quoi ton point fort? Les jambes, les gammes bêtes. La seule chose qu'on peut pas voir à l'écran, bizarre. C'est mieux pour vous et pour nous. Si. Oh, le dos. Les dorsales. J'ai un dorsal qui est plus fort que l'autre. Vite taf, hein. Mon point fort, c'est les bras. Tu peux pas dire ça. Trouve un autre point fort. Il est beau, hein. Non, un vrai point fort épaule, hein. Je l'ai fait jamais. C'est vrai. Ça, t'as des belles épaules. Je peux reprendre. Dis pardon. Pardon. Namasté. Namasté. Ça veut dire pardon en japonais. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Je sais pas qu'il y a un que ça, mais c'est pas japonais. Du coup, là, je suis à la Suisse, j'ai mis 60 degrés. Je vais faire 3 séries, j'ai mis 60 kilos. Et let's go. Là, du coup, je vais faire arrière-épaule au poulie. C'est une très très mauvaise idée d'avoir fait l'exercice de pousser à la fin parce qu'après, on peut pas trop charger. Ça tétanise énormément. Let's go. Là, du coup, j'ai fini cet exercice. Là, du coup, je pensais que la séance était finie. Mais je me suis rappelé qu'il y avait cette machine qui était assez cool. Là, du coup, il y a 59 kilos. Je vais faire 15 répétitions. Je vais faire 3 séries. Du coup, let's go. Ah, coucou. Du coup, là, actuellement, j'ai fini ma séance. J'ai beaucoup travaillé le côté latéral de l'épaule, du coup, mais c'est volontaire. L'arrière-épaule, je travaille beaucoup avec le dos. La partie antérieure de l'épaule, ici, je le fais beaucoup avec les pecs. Et c'était pas une très bonne idée de vouloir faire... C'était pas une bonne idée de faire avec la Swiss en fin de séance. Parce que en manque d'énergie, je peux pas mettre bien lourd et du coup, ça fatigue énormément. Mais en tout cas, moi, c'était une séance que j'ai plutôt appréciée. C'était assez cool. On sentait bien l'épaule bien congestionnée, tout ce qu'on aime. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Et si ça vous a plu, je vous invite à mettre un petit commentaire. Passez une bonne soirée. Et à très bientôt. Bye bye.